nothing. Aujourd'hui, grand orchestre, soliste, chœur. Il y a en fait 5 chœurs, parce qu'il y a 4 chœurs de femmes dans la salle et un grand chœur d'hommes sous la scène. Et tout ça sont des pages, des dizaines d'heures chaque jour. Et le projet lui-même, oui, on l'a démarré en 1993, je crois. Alors, avec un opéra radiophonique dans un premier temps. Ça, c'était. J'ai fait plusieurs volets, si on peut dire, plusieurs expériments pour arriver à chez vous. Tous les types de musique de ma vie. Quand j'étais adolescent, j'ai commencé à 11 ans, 2 ans, 12 ans, comme ça, et je fais vraiment tout. Du jazz, du pop, je fais de session man dans les studios, de la pub, je fais de musique pour le cinéma, pour le théâtre.
Et finalement, et à côté, j'ai étudié au conservatoire. Donc, composition, direction, piano. Et toute la tradition aussi, toute la tradition. Je suis passé à travers tout ça. Et à un moment donné, j'ai compris que moi, je ne suis pas un afro-américain. Je suis pas... Si je veux creuser des racines qui sont très importantes, il faut que je me confronte avec cette tradition. Et la langue dans laquelle on doit travailler, c'est une langue plus puissante que la langue d'une chanson qui dure. C'est Testing qui me disait, moi, je l'attache de raconter une histoire dans 3 minutes, qui est un défi. C'est très intéressant, c'est très chouette même. Pour raconter des histoires qui sont plus complexes et qui sont un peu en métaphore de la complexité qu'on voit, de la richesse qu'on vit autour des Noirs, on a besoin d'un langage, je trouve, plus puissant, plus raciné, plus profond aussi, qui nous permet de raconter des histoires et de vraiment creuser dans des vérités qui sont un peu plus articulées. Mmh. Et c'est pour ça que dans cet opéra, par exemple, il y a beaucoup de, on peut dire, tensions expressives différentes. On va de polyphonie très complexe avec un orchestre extrêmement puissant et agressif, jusqu'à de chansons très lyriques, même de personnes. De la condition de fragilité de l'homme moderne. Et c'est une condition qui était développée d'abord par les artistes romantiques. Donc justement, ça, c'était écrit 1798. Mmh. Donc il y a 200 ans. Et ce qui était une intuition de quelques artistes isolés par rapport à une société bourgeoise qui, à l'époque, après l'illuminisme en plus, était assez solide, est devenu, au bout de 200 ans, c'est devenu effectivement la condition de tout le monde qui vit en Occident. C'est-à-dire une façade de conventions qui, en principe, sont très valables, qui marchent bien, mais qui sont plus suffisants, effectivement. On sent bien qu'il y a quelque chose derrière. Et ni la foi, ni les certitudes de la science...